Excusez-moi, mais sur l'instant, je ne me rappelais pas. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Quelle nuit, hein? Je m'en souviendrai, pas vous? Qu'est-ce que vous avez? À vrai dire, je... À vrai dire quoi? Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Non. Oui. Non, je comprends, ça doit vous paraître très bizarre, mais... Vous avez du mal à vous souvenir, c'est ça? À me souvenir de quoi? Mais de cette nuit. Ah, cette nuit? Excusez-moi, mais... Vous ne vous rappelez pas? Ah, de rien. De rien? Non, rien du tout. Je suis terriblement gêné, excusez-moi encore. On a remarqué, cela ne m'étonne qu'à moitié. Non, parce qu'avec ce que vous teniez... Ah, j'avais bu. Oh, le mot est un peu faible. C'est affreux. J'essaye de me souvenir, mais alors un trou noir. Effectivement. Je ne sais même pas où je suis. Chez moi. Chez vous, très bien. Donc ça, c'est chez vous. Vous allez sans doute me trouver grossier, mais... Même votre visage... Vous êtes inconnu. Parfait, alors je me présente. Laura Bourdelin. Enchantée, moi c'est Michel... Serpollet. Bah, vous voyez, moi, je me souviens de votre nom. Vous me voyez effondré, là. Vous pouvez. Non, parce que tout de même, ne rien vous souvenir du tout après tout ce qui s'est passé... Oh, vous voulez dire qu'on a... Oh non, oh, non, pas du tout. Non. Dans l'état dans lequel je vous ai ramené des bains-douches, ça ne risquait pas. Quelle bain-douche? La boîte de nuit. Moi au bain-douche, et je sais même pas où c'est. Ah, c'est pourtant là que je vous ai rencontré, dansant sur de la techno complètement déchaînée. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dragué. Non, c'est moi. Encore un mystère. Je sais, cela peut paraître étrange, mais j'avais mes raisons. Ah. J'étais furieuse après mon mari. Vous êtes mariée, il est où? Non, ne vous inquiétez pas, il est en province et il ne rentre que demain. Ça explique toujours pas ma présence ici. Bon, bien, je vais tout vous expliquer. Parce que je vous dois bien ça, hein. Alors, figurez-vous que mon mari, qui lui, par ailleurs, est jaloux, alors comme un tigre, m'a fait hier soir le coup du voyage d'affaires avec des soi-disant clients japonais qui s'éternisent et qui l'obligent à passer une nuit de plus à Marseille. Enfin, tu comprends, ma chérie, ce sont de gros clients, je ne peux pas faire autrement, etc., etc. Je vois très bien ça. Non, mais il arrive parfois que ce soit vrai. Oui, mais dans ce cas-là, la secrétaire ne téléphone pas ici à 18h pour demander à lui parler. Ça, effectivement, c'est pas très adroit. Ah, mais c'est simple. Ce coup de téléphone m'a mise hors de moi. Alors, comme je ne suis pas du genre à pleurer dans les rideaux en attendant le retour de monsieur, j'ai décidé de lui appliquer la loi du talion. Œil pour œil. Tu me trompes, je te trompe. Alors, sans attendre encore, hein, à chaud. Alors, je me suis précipitée sur ma garde-robe. J'ai enfilé la robe la plus explosive que j'avais. Je me suis maquillée. Et folle de rage, j'ai sauté dans ma voiture en me jurant de ramener cette nuit même dans mon lit le premier type potable que je rencontrerai. Et ce fut moi. Exactement. Chemise élégante, chaussures de marque, bref. Potable. Oh, vous dansiez avec une grande pétasse rousse très vulgaire. Ah bon? Des seins énormes qui ballottaient sous sa chemise. Oui, alors, une paire de fesses qui semblait vouloir exploser, on ne voyait qu'elle. Oh, que c'est bête, je me souviens de rien, moi. Une grande rousse, vous dites? Oui, à 1,70 m au garrot. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la grande rousse? Eh bien, comme vous aviez sans doute de plus en plus de mal à tenir debout, à un moment donné, elle a dû vous lâcher, hein. Et c'est là que je vous ai récupéré. Bon, j'ai pas vu tout de suite l'état dans lequel vous étiez, mais j'aurais dû me méfier. Oui, vous avez recommandé à boire. Aïe. Alors, je vous ai proposé de vous emmener chez moi. Ah. Mais vous avez refusé. Non. Oui, et ça m'a énervée. Mais le mufle... Vous m'avez rétorqué que la soirée commençait à peine, mais que si je voulais rester, je pouvais. Enfin, que des choses agréables. On peut dire que vous n'êtes pas un type facile, vous. Ça alors, j'en reviens pas. Mais en fait, pourquoi teniez-vous tant à me ramener chez vous quand on se lance dans ce genre d'aventure, on peut très bien aller à l'hôtel. Mais parce que pour une vengeance, on n'a encore rien trouvé de mieux que le lit conjugal. Et alors? Alors, nous sommes sortis. Mmh. Et alors là? Attendez, et alors là quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous commencez à me faire peur. Non, parce qu'il a quand même bien fallu que j'arrive jusqu'ici, non? Oui, vers 5h du matin. Oh! Vous vous êtes répandu sur le lit et je vous ai déshabillé. Oh, vous m'avez déshabillé. Enfin, mais réfléchissez. Si vous n'aviez pas été déshabillé, il n'y aurait pas eu de vengeance. Et vous dites que je me suis endormi tout de suite. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Et de quoi? De mon inélégance. C'est d'une grossièreté, excusez-moi encore. Non, ne vous excusez pas, cela n'a aucune importance. Vraiment?
Je m'étais juré de ramener un type dans mon lit, et je l'ai fait. Puisqu'il ne s'est rien passé. Mais quelle importance, là. Pour moi, cela revient au même. À vous trouver, vous. Pour vous aussi, d'ailleurs. Parce que même si cela avait eu lieu, vous ne vous en souviendriez pas. Alors là, vous avez raison. Oh, quant à mon mari, non, mais imaginez une seconde qu'il nous surprenne, vous et moi, dans cette chambre et dans cette tenue. Non, vous croyez qu'il nous croirait? Toutes les femmes prises dans ce genre de situation jurent qu'il ne s'est rien passé. Donc pour moi, je le considère comme vengé. Oui, mais si vous voulez que votre vengeance soit vraiment complète, vous allez être obligé de tout lui raconter. Vous avez vu les armes au râtelier? Non. Jaloux comme il est, il vous tirerait comme un lapin. Non, merci, merci. Où sommes-nous? Mais je vous l'ai dit, chez moi. Oui, mais où? À l'adresse 164 rue de l'Observatoire à Meudon. Meudon? Alors ça, c'est amusant, nous sommes presque voisins. J'habite l'île Saint-Germain. Effectivement. Et peut-on savoir ce que vous faites dans la vie, monsieur Serpollet? Alors, si ma mémoire est encore bonne ce matin, ce dont je ne suis pas vraiment sûr, je suis directeur de cabinet du ministre de la Santé. Oh, belle position! Oui, et vous? Styliste. Et mon mari vend des centres de remise en forme clé en main. Alors ça, c'est exactement ce dont j'aurais besoin ce matin. Non, mais alors, très 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 longue remise en forme. Il est vrai que l'on ne s'attend pas à trouver un homme avec votre situation dans ce genre de fantaisie nocturne. Hein? Alors à ce propos, si je pouvais vous demander la plus extrême discrétion, parce que si on apprend qu'on a retrouvé le directeur de cabinet du ministre de la Santé, ivre mort, en pleine campagne anti-alcoolique, ça pourrait nuire à ma carrière, ça. Et c'est la première fois que cela vous arrive? Ah oui, ça je pense bien, oui. Oh. Peut-être une fois ou deux, mais jamais à ce point-là. Et comme ça, vous dites que nous sommes à Meudon. Mm-hmm. Mais c'est terrible, vous rendez compte que je me souviens de rien. Essayez tout de même de faire un effort. Non, mais il a bien fallu à un moment donné que vous sortiez de chez vous. Et là, vous étiez à jeun. Alors ça, je m'en souviens, oui. Eh bien voilà, commençons par le début. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous êtes sorti hier soir? Ouais. Moi aussi, je suis marié. Vous aussi. Et elle vous trompe? Je ne suis pas complètement sûr, mais... Ah, mais vous avez des soupçons. Tout a commencé en septembre dernier, lorsque Stéphanie, ma femme, s'est inscrite dans une troupe de théâtre amateur. Quelle drôle d'idée. Alors, c'est vrai que nous sommes tous les deux des grands amateurs de théâtre, mais enfin, de là à vouloir monter sur les planches. Bref, un bon matin, Stéphanie arrive toute excitée en me disant qu'elle s'est inscrite dans la troupe de théâtre amateur Les Joyeux Saltimbanques. Les Joyeux Saltimbanques, pourquoi pas? Et vous dites que c'est à partir de ce moment-là que vous avez senti qu'elle vous échappait. C'est bien simple, depuis qu'elle fréquente ces joyeux abrutis, rien d'autre ne compte. Entre les répétitions, les essayages, les représentations, moi je n'existe plus. Je vous comprends, elle a peut-être exagéré un peu, mais enfin, ce n'est pas la preuve qu'elle vous trompe. Non, mais attendez, madame, j'y arrive. J'ai tout d'un coup entendu un prénom que je ne connaissais pas, et puis ce prénom est venu une deuxième fois, et puis une troisième fois, jusqu'à se retrouver dans toutes nos conversations. Tenez, à un moment donné, j'ai même cru qu'on faisait ménage à trois. Et peut-on savoir quel est ce prénom? Igor. Et vous savez qui est cet Igor? Mais parfaitement, c'est le metteur en scène des Joyeux Demeurés. Un faux russe sûrement qui abuse sa situation pour s'envoyer une petite bourgeoise qui s'ennuie. Vous êtes certain de ne pas grossir la situation? Je vous l'ai dit, je n'existe plus. Et dans ces cas-là, on sait à quoi s'en tenir. On est cocu, c'est tout. Dites, avant de les juger aussi sévèrement, avez-vous pris la peine d'assister à un de leurs spectacles? Non, mais vous plaisantez. Le mois dernier, Stéphanie m'a demandé d'aller la voir jouer Célimène dans Le Misanthrope de Molière. Mais j'ai refusé. Mais Stéphanie dans Le Misanthrope, mais c'est impossible. Elle n'a pas de souffle, elle n'a aucune diction. Non, c'est déjà assez de se faire cocufier par un faux russe, mais si en plus il faut aller voir assassiner Molière... Donc vous en concluez qu'elle vous trompe avec Igor? Je vous l'ai dit, je n'ai pas de preuves. Ce qui fait que lorsque... Hier soir, Stéphanie m'a dit « Oh, je vais encore être en retard, Igor va être furieux. » Sur le moment, je n'ai rien dit, mais j'ai pensé très bien. Madame veut avoir une vie parallèle, eh bien moi aussi. Et comme le hasard fait bien les choses, un vieil ami célibataire me téléphonait quelques minutes plus tard, je lui ai tout raconté, et il m'a dit « Allez, viens, habille-toi, passe, me prendre, et moi, en une soirée, je te fais oublier Igor. » Alors je me suis habillé, j'ai pris ma voiture, je suis passé prendre Philippe, et... Philippe, mais il était avec nous hier soir, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, on l'a laissé à l'hôpital, mais ne vous inquiétez pas, c'était pas grave. Vous connaissez Philippe? Bien sûr, il était avec vous au bain-douche. Vous avez dit hôpital? Oui, alors là, il faut que je remonte un petit peu dans le temps. Oui, vous savez, entre 1h et 2h du matin, au bain-douche, vous avez fait la connaissance d'un type avec un accent d'Europe centrale très prononcé.
à qui vous avez offert à boire et qui vous a proposé de vous emmener dans le 20e arrondissement, dans un endroit ultra branché. Alors, Philippe a suivi. Mais l'hôpital. Mais attendez, j'y viens. Donc, nous avons pris ma voiture, parce que j'étais la seule en état de conduire, alors... Et alors? Alors, le type nous a fait arrêter devant une laverie automatique. Et là, un grand noir a ouvert la portière de la voiture et il a soulevé le rideau de fer de la boutique. Non, moi, quand j'ai vu l'ambiance, j'ai voulu repartir, mais le type m'avait pris la clé de contact. Vous n'avez pas pensé appeler la police? Si, bien sûr, mais dans ce cas-là, mon mari aurait forcément été mis au courant. Moi, j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie sur la banquette presque tout de suite. Et moi, pendant ce temps, j'étais où? Dans la laverie. Tout à coup, j'ai été réveillée par des coups frappés à ma vitre. C'était vous avec votre ami Philippe. Oui, il avait récupéré la clé de contact, alors. Il vous a poussé dans la voiture et il m'a crié de démarrer. Votre ami, il avait une énorme bosse sur le front et un œil à moitié fermé, alors. Alors, en passant devant un hôpital, il m'a demandé de le laisser aux urgences. Et puis ensuite, je vous ai ramené ici, déshabillé et mis au lit. Bah, vous êtes beaucoup trop bonne. Non, parce que moi, un peu je comparais, je me serais débarrassée au premier coin de rue. Oh, mais vous oubliez la promesse que je m'étais faite de ramener un type dans le lit conjugal avant la fin de la nuit. Et je l'ai fait. Bref, vous en savez maintenant autant que moi. Eh ben rien. Rien de ce que vous venez de me raconter ne me rappelle quelque chose. Alors comme ça, vous dites que Philippe... La dernière fois que je l'ai vu, c'était aux urgences de l'hôpital. Il faut absolument que je l'appelle. Vous avez un téléphone? Oui. Merci. Alors, son portable, c'est... Oui, Philippe. Oui, c'est moi, c'est Michel. Oui, je vais bien. Oui, je suis avec Laura. Et oui, elle m'a tout raconté. Et toi, ça va? Pas terrible, tu sors juste de l'hôpital. Mais je me souviens de rien, Philippe. Comment c'est une bagarre? Quelle bagarre? Oui, mais articule, mon vieux, je comprends rien, là. Ah, tu as encore du mal à parler. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rappelle-moi quand ça ira mieux. Oui, c'est ça. Porte-toi bien, Philippe. Qu'est-ce qu'il a? Il ne peut pas beaucoup parler parce qu'il a pris un coup de batte de baseball sous la mâchoire. Alors... Il m'a parlé d'une bagarre, vous êtes au courant? Ouais, c'est possible, oui, parce que quand vous êtes arrivé à ma voiture, le grand noir vous courait derrière. C'est pour ça que j'ai démarré en trompe. Il faut absolument que je remette cette soirée dans l'ordre. Bon, alors à 8h30, je passe prendre Philippe. Là, on se gare devant le Harris Bar. On boit 2-3 whisky, rien. Et puis après, vers 22h, on va à pied au bar à vin de la rue Royale. Voilà, ça, je m'en souviens très bien. Je me vois encore y rentrer dans ce bar à vin. Alors, je me vois pas du tout en sortir. Donc, si je calcule bien, vous ne vous souvenez de rien depuis hier soir 22h jusqu'à votre réveil ici il y a un quart d'heure. Ça, je n'ai aucun souvenir de toute la journée. D'ailleurs, je me demande bien ce que je vais pouvoir expliquer à ma femme pour pourquoi je ne suis pas rentré de la nuit, d'ailleurs. Oh ben, vous pouvez rajouter une partie de la journée, hein? Il est 17h. Attendez. 17h de quand? Ben, 17h d'aujourd'hui. Au nom de Dieu, j'ai dormi toute la journée. Ben, pour croire. Moi aussi, d'ailleurs. Mais il a dû se faire un sang d'encre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter, moi? La vérité. Que vous avez été attaqué et assommé par des voyous, et que vous venez de reprendre vos esprits à l'hôpital. Et ça, vous appelez ça la vérité, vous? Bien, appelons ça une vérité féminine. Ah oui, je préfère nettement ça. Je peux? Oui. Merci. Oui, bonjour mon petit lapin, c'est moi. Oui, mais n'écris pas avant que j'aie pu t'expliquer, ma chérie. Hein? Oui, je vais bien. Oui, je sais l'heure qu'il est. Je suis à Meudon. Hein? Oh non, Stéphanie, comment ça, une explication? Alors, tu crois peut-être que je vais disparaître une nuit entière et une demi-journée sans te donner d'explication? Non, ça tu n'as pas à le vouloir absolument, ma chérie, non. Hein, elle n'a pas à l'exiger, même. Donc, et puis d'ailleurs, ça tombe bien, j'en ai une. Hein, oui, parfaitement. Le nuage de cendre. Non. Non, j'en ai une autre qui tient la route, mon amour. Hein. Ah non, pas au téléphone, ce serait beaucoup trop long. Mais oui, encore quelques petits détails à régler et je rentre. Mais ne t'inquiète plus de rien, ma chérie. Hein? Ah ça oui, je te le jure, tu sais. Rien que la vérité, oui. Oui, je t'embrasse, mon lapinou. Hein?
Bravo, belle esquive. L'essentiel, c'était de trouver un scénario qui tienne la route et de gagner un petit peu de temps, mais... Enfin, d'ici là, si je pouvais prendre une douche parce que je me sens... Comme quelqu'un qui a passé la nuit dans un tripot. C'est exactement ça. La salle de bain est derrière vous. Merci. Je vous en prie. Je me suis fait couler un bain, mais si je pourrais une aspirine, parce que j'ai la tête qui va... Une seconde. Voilà, c'est de l'Alka-Seltzer, c'est exactement ce qu'il vous faut. Vous trouverez un verre dans la cuisine, juste en face. Là? Oui. D'accord, merci, à tout de suite, Laura. Bonjour! Oui, bonjour! Excusez-moi si je vous ai fait peur, mais je ne crois pas que nous nous connaissions. C'est toi! Ça alors, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais rentrer que demain! C'était un mensonge! Oui, parce que je voulais organiser une petite fête pour nos 5 ans de mariage. Déjà comme le temps passe. Oui, hein. Oh, il file à une vitesse. Je te le fais pas dire. Et si on ne fait pas attention, on risque de se retrouver vieux en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ah, oh, mais j'y pense. Tu dois te demander qui est ce monsieur. Oui. Je me doute, oui. Tu rentres chez toi et au milieu du salon, tu trouves un monsieur que tu ne connais pas. Ouais. Et dans mon peignoir de bain en plus. Et dans ton peignoir de bain. Oui, mais je comprends, tu dois vraiment te demander... Et... Oui, alors? Alors quoi? Bah ce monsieur-là! Ah mais je vais te le dire! Je vais te le dire! Seulement, tu comprends, je ne pensais pas t'en parler tout de suite. Ah bon? Non, je voulais attendre un peu, mais... Tu arrives comme ça sans prévenir, alors forcément ça... Ça oblige! C'est pas facile, hein, tu sais. C'est pas facile du tout. Prends ton temps. C'est que pour un choc, ce fut un choc. À ce point-là? Et toi aussi, apprête-toi à entendre une grande nouvelle. Oui, une très grande nouvelle. Bon, eh bien, je t'écoute. Avant, je veux que tu me jures que tu ne me feras jamais le reproche de te l'avoir dit. Moi, je te le jure. Alors, qui est-ce? Mon père. Tu peux répéter, là? Tu as bien entendu, monsieur est mon père. Ton père? Enfin, je sais, ça paraît complètement fou. Moi aussi, quand il m'a annoncé ça, je n'y croyais pas. Enfin, ton père? J'ai d'abord cru à une blague, mais ensuite, il m'a présenté tellement de preuves et de faits si précis que j'ai bien été obligée de le croire. Oui, monsieur est mon père. Eh ben, effectivement, pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Hein? Mais je t'avais prévenu. Mais enfin, Laura, tu sembles oublier un léger détail. C'est qu'un père, tu en as déjà un? Bah oui, Bernard, le mari de ma mère. Oui, et alors? Bah alors, il faut se rendre à l'évidence. Bernard n'est pas mon véritable père. Bon, tu permets, je m'assieds là. Parce que effectivement, pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Je t'avais prévenu, hein. Moi, c'est simple. Quand il m'a annoncé ça, j'ai failli m'évanouir. Alors, si j'ai bien compris, Bernard ne serait pas ton père. C'est Bernard qui m'a déclaré à la mairie, qui m'a reconnu, mais le véritable géniteur, le véritable père biologique, c'est lui. C'est moi. Et tu es sûr de toi, à 100%? Ah, je te le jure sur sa tête. Mais ça arrivé comment? Bah, comme la foudre, hein. Oui, j'étais sur le point d'aller me coucher quand on sonne à la grille. Alors, ensuite, je vais jusqu'à l'interphone et je dis, qui est là?
Et là, là, j'entends une voix me répondre que c'est un vieil ami de ma mère et qu'il la recherche depuis très longtemps. Alors, un peu intriguée, je cours jusqu'à la grille voir à quoi ce monsieur ressemble. Et là, il me raconte des événements tellement précis et des détails tellement intimes que seul un très proche peut connaître. Alors, la curiosité étant la plus forte, je le fais entrer. Et là, là, très vite, il m'avoue qu'en réalité, c'est moi qu'il recherche depuis plus de 30 ans, car il a une nouvelle très importante à m'annoncer. C'est bien ça, Michel? Oui, c'est ça. Et alors? Alors, il commence à me parler de sa jeunesse, oui, de sa rencontre avec maman. Les vacances à Oléron où ils ont fait connaissance. Oh, la passion torride qu'ils vécurent ce mois de juillet 1980. Les rendez-vous secrets, les nuits sur la plage. Oh, et la folie d'une sexualité qui se découvre et qui explose. Ta mère? Ben oui, ben, maman a eu 20 ans elle aussi, Marc. Bref, il me raconte cet amour fou. Tout aurait pu être parfait dans le meilleur des mondes si fin août, maman n'avait pas découvert qu'elle était enceinte. Non. Oui. Tu imagines la situation? Quand on connaît Nadine, catholique pratiquante, fille de général, bonjour la morale, hein. Tu sais, à 20 ans, on peut en faire des bêtises. Mais enfin, tout de même. Excusez-moi, monsieur, je ne veux pas vous juger, mais vous pourriez peut-être nous éclairer un peu plus. Hein. C'est arrivé à quel moment, cet accident? Pendant qu'elle fréquentait Bernard, avant ou après? Alors, d'après ce que j'ai compris, les deux histoires ont dû se chevaucher. C'est ça. Ah bon? C'était pas encore fini avec l'un que ça a commencé avec l'autre. Quand je pense qu'elle fait la morale à tout le monde. Mais alors, ta mère, elle doit bien savoir que tu n'es pas la fille de Bernard. Forcément, une femme sait toujours qui est le père de son enfant. Et Bernard, lui, bien sûr, n'est au courant de rien. Évidemment, non. Mais Michel et moi sommes bien d'accord pour garder le secret. Ah oui. Bien entendu, Michel s'est proposé pour faire un test génétique. Mais moi, je n'ai plus aucun doute. Surtout quand il m'a donné un certain détail sur maman. Ah bon, lequel? Ben elle a une petite tache de vin entre les cuisses. Ah oui. Effectivement, alors ça, j'ignorais. Ah, ben c'est terrible cette histoire. Moi, ça me donne la chair de poule. Non mais c'est vrai, c'est beau. Cet homme qui recherche sa fille depuis aussi longtemps. Ah si, vraiment, je suis très ému. Oh, faut pas. Ah si, si. Faut si. Pas, non, ah, si. Non. Bravo, non, bravo. Non. Mais alors nous, on a envie de tout savoir. De vos espoirs, de vos échecs. Ça doit être magnifique. Allez, racontez-nous, on vous écoute. Vous voulez vraiment? Non, parce que Laura vous a déjà tout dit, alors c'est pas... Oui, mais enfin, moi, je veux tout savoir depuis le début. C'est tellement extraordinaire. Bon, on va y aller, hein. Alors, moi et la maman de Laura, hein. Nadine. C'est ça, Nadia? Nadine, c'est moi qui l'appelais Nadia. La maman de Laura et moi, on a eu une liaison. Une liaison brûlante, oui, hein, alors. Oui, même que... Même que vous aviez fait des projets de mariage. Ah bon? Oui, mais quand il a su que Nadine était enceinte, il a voulu réparer. Mais oui, parce que moi j'étais content, mais content! Alors je vois pas où est le problème. Hein? Ouais, pourquoi c'est pas vous qu'elle a épousé? Effectivement, on peut se le demander, ça. Ah ouais, parce que moi... Je vois pas où est le problème. Mais où est-il, hein? Où est-il, ce problème? Non, parce qu'en vue d'ici, on dirait bien qu'il n'y en a pas de problème. Hein? Bien entendu, il y en a un. Oui, ça, forcément, ça. Quoi? Un problème. Mais alors, un problème, hein, ça. Un accident. Oui. Ah, oui. Oui, un accident de voiture. Oui, terrible accident. Oui, un camion dans un virage, et c'est l'accident. Et surtout le coma. Le coma? Mais alors, un coma? Un coma comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, ça. Un coma tellement grave que les médecins ont dit à maman qu'il n'y avait plus aucun espoir et que Michel allait mourir. Oh. Et elle les a crus. Bah, tu imagines la situation. Maman qui n'avait jamais parlé à ses parents, ni de sa liaison, ni de sa grossesse, elle se retrouve dans un dilemme épouvantable. Et comme Bernard, depuis 2 ans, ne cessait de la demander en mariage, alors...
Elle l'a épousé pour donner un nom à son enfant. Et puis un jour, eh bien, vous êtes sorti du coma. Oui, parce que je commençais à trouver le temps long. Parce que dans le coma, on est suffisamment conscient pour trouver le temps long. Ah oui, oui, oui. Alors évidemment, on s'ennuie à force, hein, ça. Oh, pas de télé, pas de journaux, personne à qui parler, rien. Bref, quand il en est sorti, Nadine avait disparu car ses parents avaient déménagé à Bordeaux. Ça a dû être terrible. Bah oui, oui, parce que surtout, sachant Nadine enceinte, il se faisait du souci pour son avenir et celui de son enfant. Oh, c'est beau. Avoir à ce point le sens des responsabilités, c'est rare. Oh, tu te rends compte qu'il est même allé jusqu'à Salt Lake City. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire à Salt Lake City? Chez les Mormons? Bah oui. Et quand on sait qu'ils essayent de faire le recensement de toute l'humanité, il s'est dit là-bas, il avait peut-être une chance. Quelle histoire! C'est magnifique! Bah, vous donnez autant de mal et finir un jour par la retrouver ici. Voilà, bien maintenant tu sais tout. Enfin, tu comprends pourquoi nous avons parlé toute la nuit. Ah oui, moi je suis complètement bouleversé. Nous sommes tous mal. Cependant, tout ceci doit rester entre nous. Et cet été à Bordeaux, chez les parents, pas un mot. Mais attends, avec toutes ces révélations, vous m'avez tellement perturbé que j'ai pas eu le temps de te dire. Hein. Ils sont là. Qui? Bah, tes parents. Oh non. On va te faire une surprise. Ce sont eux que je suis allé chercher à Bordeaux. Ils sont ici. Oui, ton père, enfin je veux dire Bernard, avec son lumbago ne pouvait prendre ni le TGV, ni l'avion. Alors pour le décider, je suis allé le chercher à Bordeaux. Voilà pourquoi hier je t'ai fait ce gros mensonge de client japonais. J'avoue que c'était un peu gros. Mais comme gentiment tu l'as cru, tu m'en veux pas, hein. T'en vouloir, mon chéri? Mais de quoi? J'ai honte! Mais alors où sont-ils? Bah, tu connais ta mère. En arrivant devant la maison, elle a décidé de retourner à la pâtisserie pour acheter un beau gâteau. Ah. Bah, tiens, il devrait plus tarder, là. Bon, mais ça peut être bien que je m'en aille, moi. Oui, hein. Oui, oui, ce serait préférable. Attendez, je vais voir s'il y a du champagne au frais, hein. Mais votre père, mais quelle idée! Mais venez inventer n'importe quoi d'autre! Mais c'est tout ce qui m'est venu! Oui, dans quel pétrin on se trouve maintenant? Moi, je m'habille et je file. Où sont mes vêtements? Par terre, dans un coin. Figurez-vous que cette nuit, j'avais pas la tête à tout mettre sur un porte-manteau. Votre père, j'ai cru que je m'évanouissais. Salt Lake City. Je sais, c'est un peu gros. Mais je vous ferai remarquer que pour l'instant, vous êtes toujours vivant. Parce qu'on est passé tout près du carnage. Hein. Mais ça prend combien de temps? Il l'a toujours dit. Si un jour, je surprenais Laura avec un autre homme, je leur colle une balle entre les deux yeux et je me fais sauter le caisson après. Alors, croyez-moi, on l'a échappé belle. Hein. Maintenant, quoi qu'il décide, ne le contrarions pas. Parce qu'alors si en plus il se rend compte qu'on s'est foutu de sa gueule, eh ben c'est pas une balle qui va tirer, mais tout le chargeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben vous avez braqué une banque. Et non, moins pour 30 000 euros, mais ça vient d'où ça? Oh, d'après ce que m'a raconté votre ami, la laverie était une salle de jeu clandestine. C'est sûrement de l'argent que vous avez gagné. Ça, alors ça sent les embrouilles, ça, hein. Ça me... Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Eh bien, on dirait que quelqu'un a voulu vous retenir. Non. Il a sur votre pantalon, qu'est-ce que c'est? On dirait du sang. Mais c'est du sang. Mais qu'est-ce qui est arrivé cette nuit? Je ne sais pas, mais ça m'a l'air sérieux. Je m'en allais, là, par là. Non. Vous n'avez quand même pas refusé de petite coupe de champagne pour fêter l'événement, hein? Non. Allez, santé. Il est tout juste frais, je vais chercher des glaçons, hein. Laura, je vais partir avant que vous partiez en arrière. Oui, mais il vous faut un pantalon, allez. Non, mais du sang, mais vous vous rendez compte que c'est un cauchemar. J'aurais bien voulu le faire compter, mais il paraît qu'il faut les compter à l'avance. C'est une surprise, hein, Laura? Une énorme surprise. Mais, papa, enfin, est-ce bien raisonnable avec ton dos? Mais c'est Marc qui m'a convaincu. Oui, bonjour. Ce sera du porte-à-porte, m'a-t-il dit. Bonjour, ma chérie. Finalement, je ne sais pas si ce sont les 5 heures de voiture ou le plaisir de te voir, mais il me semble tout à coup que je vais déjà beaucoup mieux. Bien, tant mieux.
Ah oui, vous ne connaissez pas Michel? Eh bien, Michel, voici Nadine et Bernard Le Mortier, les parents de Laura. Qui est-ce? Oh, c'est une longue histoire. Alors, vous n'imaginez pas comme je suis heureux de l'avoir ici ce soir. Un ami à vous? Oui, non, enfin, pas exactement, mais c'est comment dire? C'est pour ce pauvre Bernard, il faut trouver quelque chose. T'aurais pas une idée, toi? Eh bien, pour tout vous dire, Michel est ici grâce à un concours de circonstances exceptionnelles. N'est-ce pas, Michel? Eh, hey, vraiment exceptionnel. Lesquelles? Nous brûlons de le savoir. Oh, vous ne devinerez jamais. Alors, Michel est un ami, voilà. Un ami... De mon père. Gérard? Vous êtes un ami de Gérard? Ah oui, je dirais même un ami d'enfance. Ah, hein. Oh, Michel, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Même que ça remonte à la toute petite enfance. Oui, à la crèche. Vous vous êtes connu à la crèche et vous vous en souvenez. Alors, faut pas dire que c'est peut-être un peu flou, hein. Non, mais je le revois avec sa grande sucette, là. Hein. C'était dans quelle année? Je sais pas, dans les années 60. Vous l'avez suivi de toute sa scolarité? Oui, c'est ça, toute sa scolarité. Jusqu'au lycée Charlemagne, alors? Le lycée Charlemagne, exactement. Eh, mais j'y étais aussi. En seconde, c'est là qu'on s'est connus, Gérard et moi. C'est comment votre nom? Dumoulin. Voilà. Michel Dumoulin. C'est bizarre, ça ne me dit rien. J'ai beau vous regarder, votre visage ne me dit rien. Vous non plus. Tu sais, Bernard, ça fait plus de 30 ans, hein, quand même. Ça, il est vrai que nous avons tous beaucoup changé. Moi, j'ai pris 20 kilos. Vous aviez Murat Chol comme prof de maths? Oui, ça sûrement. Un grand? Un tout petit et gros. Ça. Tout petit et gros, je m'en souviens très bien. Le nom du proviseur, c'était monsieur. Oh, son nom m'échappe. Non, mais moi aussi, mais alors je le revois, lui. Ah, qu'est-ce que l'on a fait? À quand on dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas? Eh bien, moi, je vous propose de boire une coupe de champagne. Ah, bonne idée. Mais avant, nous allons porter nos bagages dans la chambre et nous rafraîchir un peu. Tu viens, Bernard? À tout à l'heure. Bon, vous voyez? Elle vous a même pas reconnu. Mais pourquoi on va présenter sous le nom du moulin? Oh, parce que parfois on se souvient mieux des noms des visages, c'est tout. Et vous? Vous l'avez reconnu? Mais tout de suite pensez, ça. Une beauté pareille. Mais alors rien n'a changé, hein. Les mêmes cheveux roux frisés, les yeux, le nez, les dents. Ah non! Pas les dents. Ah, pas les dents. Tout a été refait. Oh. Alors là, bravo, ça c'est de la belle ouvrage. Non, c'est vrai qu'elle ne m'a pas reconnu, mais je crois qu'il vaudrait mieux pour tout le monde que je m'en aille. Michel, vous permettez que je vous appelle Michel? Mais je vous en prie, Marc. Eh bien, Michel, j'ai bien réfléchi. Et au fond, je trouve ça vraiment injuste que vous vous effaciez déjà, alors que vous venez à peine de retrouver votre fille après 30 ans de recherche. Oui, après tout, vous n'êtes pas fautif. Ben, ce n'est pas votre faute si les circonstances vous ont séparé et si Nadine a sauté son premier venu pour l'épouser. Mais vous avez raison, mais je préférerais quand même partir. Écoutez, je trouverais vraiment très injuste qu'on vous prive d'une petite fête de famille à laquelle vous avez droit puisque vous en faites partie. Oui, Marc, tu as sans doute raison, papa. Si Michel préfère partir... Non, je ne suis pas d'accord pour qu'il se comporte comme un coupable. Je vous remercie infiniment pour votre hospitalité, je vous suis très reconnaissant, mais enfin, je ne vous l'ai pas encore dit, je suis marié et ma femme m'attend pour dîner. Ça, c'est pas un problème, hein? Vous allez l'appeler et lui demander de venir vous rejoindre. Alors ça, c'est complètement impossible. Comment impossible? Écoutez, saute dans un taxi. Et comme Laura m'a dit que nous sommes presque voisins, dans 10 minutes, elle peut être là. Vous vous doutez bien qu'elle ne sait rien au sujet de Laura. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte, moi? Oh, écoutez, on va continuer l'histoire de l'ami de mon père retrouvé, ça marche très bien. Enfin, j'aurais tout le temps peur de me couper, frère. Marc, je n'ai pas l'habitude de mentir. Ben pour une fois, faites un effort. Très bien, mais je vous le dis moi, on s'enfonce. Oui, et bonjour ma chérie, c'est encore moi. Oui, je sais l'heure qu'il est. Oui, je suis toujours à Meudon. Oui, j'ai des amis. Des amis que tu ne connais pas. Oui, des nouveaux amis. Non, mais il m'arrive une chose extraordinaire, exceptionnelle.
j'ai retrouvé le fils de Gérard. Gérard qui? Gérard, mon soif. Mais Gérard, mon ami d'enfance, je t'en ai parlé 100 fois. Oui, et là, je suis chez son fils à Meudon. Hein? Oui, c'est là que j'ai passé la nuit. Comment ça, une nana? Oh non, Stéphanie, là, tu sais, tu me fais énormément de peine, tu sais. Et tu vas voir que tu vas être obligée de t'excuser, hein. Très bien. Alors, puisque tu ne me crois pas, je te passe Marc, le fils de Gérard. Voilà. Et puis maintenant, vous vous démerdez, hein. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, c'est exact, oui. Oh, un grand bonheur. Vous pensez retrouver Michel? Ah, parce que vous savez, mon père me parlait souvent de votre mari. Ah non, non, je ne suis pas un copain complaisant qui lui fournit un alibi. D'ailleurs, ce téléphone était justement fait pour éclaircir la situation. Ben oui, puisque mon intention était de vous inviter à vous joindre à nous pour le dîner. Non, comment non? Non, ben n'insistez pas, hein. Mais écoutez, vous sautez dans un taxi, et dans 10 minutes, vous pouvez être là, hein. Et comme ça, il n'y aura plus de malentendus. Oui, parfait. 164, rue de l'Observatoire. Voilà. Parfait. Oui, je vous le repasse. Alors, une nana, hein? Comment ça, pas encore très clair? Eh bien, viens, puisque tu ne me crois pas. Voilà, très bien, je t'attends. Je suis dans une merde. Là. Nous sommes presque prêts. Dès que votre femme arrivera, nous pourrons passer à table. Mais ne vous en faites une tête. Reconnaissez que pour l'instant, on s'en tire plutôt bien. Ah, vous trouvez? Mais on est dans les sables mouvants, on en a jusque là. Que voulez-vous? Moi, j'ai eu peur. J'avais l'impression d'être sur du verglas au volant d'une voiture folle. Ma voiture, on a oublié ma voiture. Vous savez où elle est? La dernière fois que je l'ai vue, c'est quand je vous ai empêché de prendre le volant. Alors, si on ne vous l'a pas déjà emporté en fourrière, elle doit encore être devant les babouches. Mais c'est ça, avec la cocarde du ministère, ça risque rien. Enfin, il faut quand même la récupérer avant que Stéphanie s'en aperçoive. Alors, Bernard nous a fait une démonstration d'ouverture d'huître en virtuose. Ah oui, mais ça donne soif. Vous avez pensé au vin, j'espère? Oui, il y a du muscadet plein la crème. Ça y est, c'est Stéphanie. Ne faites pas cette tête-là, sinon elle va se douter de quelque chose. Je ne boirai plus une goutte d'alcool pour rien. C'est entrez, chère madame. Oh, bonjour, ma chérie, comment ça va? Bon, eh bien, ma chérie, je te présente Marc. Enchanté. Marc est le mari de Laura, chez qui nous sommes. Et voici les parents de Laura, Nadine et Bernard. Bonsoir. Je vous remercie de cette invitation un peu surprenante. Et je vous avouerai que je n'ai pas encore tout compris. C'est pourtant simple. Marc est le fils de Gérard. Bah oui, justement, c'est ce Gérard dont j'ai du mal à me souvenir. Et pourtant, Gérard Bourdelin. Bourdelin. Gérard Bourdelin, je t'en ai parlé 100 fois. Et le plus drôle, c'est que moi aussi j'étais avec eux en seconde à Charlemagne. Vous vous rendez compte? Charlemagne? Je croyais que tu avais fait toutes tes études à l'Institut catholique. Toute petite partie, selon moi. Non, parce que tu vois, au bout d'un moment, les cathos ras-le-bol, hein, qu'elles vivent à Charlemagne. Première nouvelle. Et c'est là que j'ai retrouvé Gérard. Qu'il avait d'ailleurs connu à la crèche. Ah! Quand le nom des petits. Oui, enfin, le principal, c'est que nous soyons tous réunis. Hein. Bon, maman, tu m'accompagnes, s'il te plaît, j'ai encore besoin de toi. Et vous vous êtes retrouvés comment? Dans un café en face du ministère, je buvais une petite eau minérale, quand tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit « Mais ne seriez-vous pas Michel? Je suis Marc, le fils de Gérard. » Ça m'a fait un choc. Il était quelle heure? Je ne sais pas, 19h, 19h30. Et de 19h hier soir jusqu'à cet après-midi, tu n'as pas trouvé un moment pour me donner un coup de fil. Ça, je comprends, ça peut te paraître bizarre, mais enfin, j'étais tellement bouleversé par cette rencontre que tout de suite Marc m'a dit « Mais venez à la maison, je vais vous présenter ma femme. » Qu'est-ce qui t'empêchait de me téléphoner? Ta répétition, Stéphanie, ta répétition.
Non, parce qu'il m'est déjà arrivé de t'appeler tard le soir, mais tu m'as toujours raccroché au nez en disant que ça rendait Igor furieux. Et quand Igor dit quelque chose... Non, puis alors, te laisser une telle nouvelle sur une messagerie de portable, c'est un petit peu court, tu vois. Et puis appeler à 3h du matin, non. Non, ça, c'est ces téléphones qui crient pour vous réveiller au milieu de la nuit, ça fait toujours un petit peu peur. Et entre 3h du matin et 17h cet après-midi? Comme nous avons parlé toute la nuit, je ne me suis réveillé qu'à 17h. Voilà. J'espère que tu es satisfaite, mon amour. Si on veut. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes rentré tranquillement ici et ensuite vous n'avez plus bougé. Vous avez l'air de ne pas nous croire. C'est-à-dire que d'abord, je voulais entendre la version de Michel. Avant de lui demander pourquoi tout à l'heure, j'ai eu la visite d'un inspecteur de la DST. Il voulait lui poser des questions à propos d'événements graves qui auraient eu lieu cette nuit rue de la Chine dans le 20e. Ah bon? Oui, et comme ça avait l'air très sérieux et qu'il voulait absolument te voir ce soir, eh bien... Je me suis retrouvée obligée de lui dire où tu étais. Ici? Bah oui, ici. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? La rue de la Chine. Mais bien sûr, je suis au courant. Alors? Eh bien, c'est Philippe. C'est Philippe. Il a eu des ennuis, il m'a téléphoné, j'ai tout de suite appelé le ministère pour voir ce qu'on pouvait faire. C'est ça, Philippe. Mais oui, Philippe! Donc, il fréquente de ces endroits, tu sais. Il joue. C'est un ami à vous? Oui, de 30 ans. Ça, il est terrible. Hein. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Philippe, un joueur? Un vétéran! Et encore, je te raconte pas tout. Ça, on pourra dire qu'il m'en aura fait voir, celui-là. Ah, c'est beau l'amitié quand elle dure aussi longtemps. Ah, bah, c'est peut-être votre inspecteur. Je vous laisse, hein. J'en profite pour descendre à la cave, moi. Oui, Laetitie, je vous en prie, entrez. Philippe! Eh bien, je t'ai ramené ta voiture. Oui, quand tout à l'heure, j'ai retrouvé ta clé de contact dans ma poche. Alors, j'ai aussitôt téléphoné chez toi et Stéphanie m'a dit qu'elle partait te retrouver ici. Tu ne m'as pas dit qu'il avait appelé. Eh bien, non. Parce qu'avant de venir, je voulais essayer de comprendre deux ou trois petites choses. Par exemple, comment se fait-il que ce soit Philippe qui ramène ta voiture? Alors? Facile. Sa voiture était en panne. Marc me ramenait dans la sienne, j'ai pu lui prêter ma voiture. Facile. Oui. Pourquoi? Alors maintenant, on n'a plus le droit de prêter sa voiture à un ami. Et la bagarre dans le 20e? Stéphanie! Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il a envie de reparler de tout ça, hein? Non, parce qu'entre nous, c'était pas très malin, Philippe. Hein? Te bagarrer à ton âge. Comment? Mais je t'avais dit d'arrêter de fréquenter ces tripots et qu'un jour tu aurais des ennuis. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ça, ces joueurs invétérés, ce sont tous les mêmes. Incapables de reconnaître leurs erreurs. Tout de même, Michel, si je me suis retrouvé dans cette situation... C'est que tu l'avais bien cherché. J'ai le plaisir de vous présenter Philippe, mon meilleur ami, qui a eu la gentillesse de me ramener ma voiture. Elle est très abîmée. Avec qui ça? La voiture. Parce que quand on voit un monsieur... Oh non! Non, lui c'est autre chose. Il picole, alors il est tombé. Philippe, je te présente Nadine et Bernard, les parents de Laura. Quant à Marc, son mari, le chasseur, tu vois. Ah oui, je vais le chercher, il est à la cave. Vous ne sauriez pas faire une mayonnaise par hasard? Je n'en rate jamais une. Alors moi, c'est tout le contraire. Je ne sais pas comment je m'y prends. Impossible. Philippe, je suis dans une merde. Et Laura, qu'est-ce qu'elle dit? Attends, tu connais Laura? Mais enfin, Michel, on a passé toute la nuit ensemble. Et je te dis pas, mais alors quelle nuit! Je me doute un petit peu. Parce que alors, t'aurais vu ma tête et la tête de son mari quand il m'a chopé à poil dans son peignoir de bain. Non, ris pas. Non, parce qu'il est tellement dangereux qu'elle est obligée de me faire passer pour son père. Oh, c'est gros, oui, c'est énorme. Mais si t'écoutes la vérité, ça peut se terminer à coup de fusil, tu vois. Et c'est pas tout. Dans mon pantalon, il y avait une énorme liasse de billets. Et mon pantalon, il était couvert de sang. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien savoir parce que je suis en train de devenir fou. Voilà. Tu sais, après les bains douches, eh bien, on est allé dans le 20e. Et on s'est retrouvé dans une cave en dessous d'une laverie. Il y avait là au moins une vingtaine de types qui jouaient au poker.
quand j'ai vu leur tête. Oh, les têtes qu'ils avaient, ceux-là. Moi, j'ai voulu te faire remonter, mais tu ne voulais rien savoir. Tu étais déchaîné, hors de toi. Tu criais, je vais les plumer, ces caves. Hein? Alors, moi, j'ai donné un gros billet au type qui nous avait amenés pour récupérer les clés de la voiture de Laura, je suis remonté. Laura dormait. J'ai attendu. J'ai attendu. Vers 4 heures du matin, j'ai commencé à me faire un peu de soucis, vois-tu? Alors, j'ai décidé de redescendre te chercher. C'était juste au moment où tu sortais de la laverie en courant, poursuivi par le grand noir avec sa batte de baseball. J'ai voulu m'interposer, paf! C'est là qu'il m'a frappé. Alors on s'est battu, il a fini par m'arracher ma veste, on a foncé vers la voiture. Laura, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a démarré en trombe. Et en passant devant un hôpital, je suis allé aux urgences. Ils m'ont soigné, et ils viennent de me réveiller il y a à peine 2 heures. Voilà toute l'histoire. Mais l'argent, il vient d'où? Mais tu l'as gagné! Comment tu le sais? Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone d'un certain Zardas qui m'a dit que s'ils ne récupéraient pas leur pognon, eh bien, ils allaient s'occuper de nous. Alors quand le Turc arrivera... Qui ça? Zardas, c'est lui qui va venir chercher le pognon. Où ça? Ici. Ici, oui. Il avait l'air tellement pressé et surtout tellement menaçant. Stéphanie venait juste de me dire où tu étais. Moi, j'ai cru bien faire. Tu aurais préféré peut-être que je donne ton adresse personnelle. Mais non. Bien, moi, j'ai préféré en finir le plus vite possible, vois-tu. Au fond, tu sais, ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur pognon, c'est tout. Un Turc qui va venir ici. Oui, Zardas. Oui, alors, il sonne, ding-dong. Toi, tu ouvres la porte, tu lui refiles le pognon, tu fermes la porte, et c'est tout. Et c'est tout. Oui. Et c'est tout. Mais Philippe, mais quand on met le doigt dans l'engrenage... Oui, je sais. Tout le corps y passe. Oui, monsieur. C'est pourquoi moi je me casse là, oui, monsieur. Mais quel merdier, Philippe, quel merdier! Ah, mais vous êtes l'ami de Michel! Oui, mais je... Ne dites pas que vous partiez, hein. Si, j'étais juste venu lui rapporter sa voiture. Il n'en est pas question! Mais je vous assure! Vous êtes marié? Non, mais je... Quelqu'un vous attend? Non, je vous remercie, monsieur! Si vous refusez, vous allez me vexer, là! Michel, enfin, retenez votre ami! Tout de même, Michel, quoi! Oui, oui, tu le contraries, là, tu vois, Pompon, ne vous inquiétez pas! J'avais ramené une pleine bourriche d'huîtres. Je vais dire à Nadine de rajouter un couvert. Il est au courant pour Laura? Bien sûr, bien sûr. Ça, il a participé à toutes les recherches depuis le début. Raison de plus pour être des nôtres ce soir. C'est une belle histoire. Laquelle? Celle de Laura et Michel. Quoi déjà? Ce père qui retrouve sa fille. Ah oui, oui, mais très belle, bien sûr. Oh oui, bien sûr, bah... Bien entendu, pas de gaffe devant Bernard. Et vous l'avez reconnu? Qui ça? Nadine, la petite Nadine. Tu te souviens, Oléron était 80. Mais tout de suite, mais bien sûr, Nadine, Oléron, mais bien sûr, ma meuble, c'est normal. En tout cas, ou elle ne vous a pas reconnu, ou elle est très forte. Je l'ai observé tout à l'heure. Elle n'a laissé voir aucune émotion. Vous n'étiez pas dans la voiture. Vous voulez dire cette nuit? Non, le jour de l'accident. L'accident, tu te souviens? L'accident. Et le coma, tu te souviens aussi de mon coma, d'accord? Oui, oui, bien sûr, ton coma. Voilà, capito. Je sais toujours pas ce qu'il est devenu après son déménagement à Bordeaux. Alors, d'après ce que je sais, c'est inscrit à la fac de droit. Avocat. Juge d'instruction. Non, la petite Nadine, avec ses petites enquêtes blanches, ses petites... Oh, mais juge d'instruction, j'étais justement en train de raconter votre formidable parcours professionnel. Le droit, le barreau, et maintenant, juge d'instruction. Eh oui. Mais quand je vois la pile de dossiers, certains jours, je me demande si c'était vraiment une bonne idée. Oh, mais vous aussi, monsieur Dumoulin. Votre parcours est assez brillant. Directeur de cabinet du ministre de la Santé. Quelles sont les fonctions d'un directeur de cabinet exactement? Ça y en a beaucoup. Commenter des sondages, gérer l'agenda du ministre, faire des rapports, échafauder des stratégies. Et tenez, parfois même, trouver des slogans de campagne. Ah. Oui, tenez, le dernier slogan de la dernière campagne anti-alcoolique. C'est moi? Ah oui, oui, les grandes affiches. Oui, oui. Commencez déjà, attendez. Un verre de trop, c'est... C'est. Un verre de trop, c'est parfois un virage de trop. Et c'est de vous,
tout ça? Oui, c'est moi, ça. Oh, bah, j'en avais trouvé un autre, enfin, ils l'ont refusé. Bon, allez, c'était quoi? Ah, c'était... Il vaut parfois mieux boire de la tisane que de se garer dans un platane. Oh, mais c'était bien aussi. Mais ils n'ont pas voulu, oh. Ça. Mais dites-moi, à cause de votre fonction, est-ce qu'il vous arrive de passer à la télévision? Non, pourquoi? Parce que votre visage ne m'est pas inconnu. Ça va me revenir, ça me revient toujours. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne peut pas me reconnaître. Puisque c'est un mensonge, une histoire inventée de toutes pièces. Où étiez-vous l'été 1980? À l'Euro, pourquoi? Alors ne cherchons plus. Aïe. Nous étions, je me souviens, toute une bande d'amis. Et c'est l'année où j'ai eu une histoire d'amour avec un garçon. Qui d'ailleurs n'avait pas beaucoup plu à mes parents. Mais c'est un mensonge, je ne peux pas pénétrer dans un mensonge. Et vous vous souvenez du garçon? Oh, je pense bien. Mais je le revois, mais comme s'il était devant moi. Vous pensez, c'était un noir superbe. C'était pas l'été où vous avez connu Bernard? Ah oui, mais le noir c'était en juillet et j'ai rencontré Bernard en août. Ah bon? Et il y en a eu d'autres cet été-là? Oh, c'est bien possible. J'étais tellement malheureuse que j'ai fait une fête. Ah ouais, je vois ça d'ici. On sort en boîte pour oublier. On a un peu bu. Et on rencontre un garçon. On va sur la plage. Et là, crac. Comment crac? Bah oui, crac. Enfin, il n'y a pas de mal. Parce qu'il a quand même bien fallu que Laura vienne au monde, hein. Je me suis mariée en octobre et en blanc. Vous êtes satisfait? Crac! Vous avez de ces expressions! Enfin, Nadine, vous fâchez pas! C'est ce que j'en disais, hein. Marc! Visiblement, elle n'aime pas qu'on lui rappelle qu'elle s'est mariée à l'église, enceinte de 2 mois. Marc, je t'ai déjà dit de faire attention. Enfin, si Bernard venait à se douter de quelque chose, nous serions dans de bons draps. Bon, ben, Marc, je vous laisse, hein. Moi, je vais en profiter pour montrer à votre ami Philippe quelques trophées de chasse que j'ai au grenier. C'est que vous savez, je suis un fin tireur. Je les ai presque tous tués. D'une balle, entre les deux yeux. Des lapins? Non, non, des ours. Ah bon, ouais. Okay. L'inspecteur Durandeau. Monsieur Sercollet. C'est bien moi. Tout d'abord, veuillez m'excuser de venir vous importuner chez des amis à une heure aussi tardive. Mais l'affaire est grave et urgente. Je vous écoute. Nous savons quelle est la haute fonction que vous occupez en ce moment. Et croyez bien que nous essaierons d'être le plus discret possible dans toute cette affaire. Quelle affaire? Un fait divers dans le 20e. Nous avons découvert dans un tripot clandestin une énorme flaque de sang. Nous n'avons pas trouvé de cadavre, mais nous sommes sûrs qu'il y a eu meurtre. C'est épouvantable. Je vois pas très bien ce que je viens faire là-dedans. Sur place, nous avons retrouvé ceci. Mon laissez-passer du ministère. Pour l'instant, tout est top secret. Vous étiez sur les lieux? Je ne peux plus le nier, mais... Vous n'allez certainement pas me croire, monsieur l'inspecteur, mais je ne me souviens de rien. Non, vraiment? Je dois vous l'avouer, j'avais un petit peu bu hier soir. Ah, je vois. Mais comment vous êtes-vous retrouvé sur place? D'après un ami, c'est un rabatteur qui m'y a amené. Oui, c'est classique. Mais comme nous n'avons pas de cadavre, nous sommes très inquiets. J'ose espérer que vous n'imaginez pas que je puisse être pour quelque chose dans cette histoire. Pas un seul instant. Mais on peut très bien, pour des raisons politiques, essayez de vous le faire endosser. Voilà pourquoi mon patron m'a envoyé ici le plus vite possible. Je vous remercie parce que je vous avoue que je me sens un petit peu dépassé. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà une idée sur le coupable. Un certain Zardas, cette nuit, était sur les lieux. C'est un Turc que nous surveillons depuis un certain temps. Cela pourrait être lui le coupable. Nous l'avons mis sur écoute. Et c'est comme ça que nous avons appris qu'il était sur le point, ce soir, d'aller récupérer quelque part une forte somme d'argent. Et comme des collègues à moi lui ont collé une balise GPS sous sa voiture, nous saurons où il se trouve, à 10 mètres près. Je ne vois pas très bien ce que j'ai à faire dans cette histoire. Nous pensons qu'il peut essayer de vous appeler pour savoir où se trouve l'argent. Je vous l'ai déjà dit, hier soir j'étais complètement dans le cirage, je ne me souviens de rien. Oui, moi je vous crois, mais ça, lui, il ne le sait pas. Alors, s'il essaie d'entrer en contact avec vous, je vous donne mon numéro de portable.
Et appelez-moi. Je vous le promets, monsieur l'inspecteur. C'est dans votre intérêt. Très bien. Merci beaucoup. Ne vous faites aucun souci. On veille sur vous. Je vous remercie. Excusez-moi encore pour le dérangement. Merci, Stéphanie. Cette mayonnaise est divine. Alors, qu'est-ce qu'ils te voulaient? C'est bien ce que je pensais, c'était pour Philippe. Ils ont déplacé un inspecteur de la DST pour une simple bagarre. Oh, ma chérie. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis arrivée ici, je sens que quelque chose ne colle pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, tout me semble étrange. Cette invitation, Philippe à l'hôpital, et ta voiture, tiens. Il est parti. Rien de grave. Hein. De la routine. Bien, alors nous allons pouvoir passer à table. Alors, vous pêchez aussi le saumon et sa langue. Vous savez, le grésil, ça ne plaisante pas. Ouais, si je ne l'avais pas abattu à mon deuxième coup de feu, bah, je ne serais peut-être pas ici en train de vous raconter cette histoire, vous voyez. Elle fait peur. Ouais. L'année prochaine, j'irai en Floride, tiens. Allez, ils organisent des chasses aux caïmans qui m'intéressent. Ça y est, j'entends déjà le cri du caïman. Là, c'est ton portable. J'avais cru que c'était le caïman. Oui, comment? Oui, j'ai compris. Oui, je vous ai dit qu'il est d'accord. Oui, toute la somme. Oui, alors, c'est ça. Dès que vous arrivez, vous nous appelez et nous sortirons. Mais avec l'argent, bien entendu. Comment? Écoutez, pas de menace, voulez-vous? Non, mais dites donc. C'était le Turc. Il va passer, mais assez tard. Là. Alors, comme ça, on va être obligé de l'attendre toute la soirée ici. Ah non, j'en ai marre, Philippe. J'en ai marre, tu sais. Et je m'en veux de me retrouver dans un tel merdier pour si peu. Ah, tu appelles ça pour si peu, toi? Mais... Nous n'attendons plus que vous. Parfaitement, parfaitement si peu. Parce qu'alors, vivre un tel cauchemar, avoir fait un gros dodo à côté d'une inconnue, je trouve ça hors de prix. Hors de prix, je ne sais pas. Mais morale, certainement. Morale. Mais la seule morale de cette histoire, tu m'entends bien, Philippe, la seule, oui, c'est qu'on peut voir après, mais jamais avant. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Moi, j'ai bien vu qu'elle buvait son coup, mais j'ai cru qu'elle était habituée. Et qu'est-ce qu'elle tient? On dirait quoi? C'est la faute de Bernard. Il n'arrêtait pas de la resservir. Ah, mais elle me tendait son verre. Bon, eh bien, nous allons monter la coucher au premier. Non, comment elle sera à jour? Surtout pas. Je vais la ramener à la maison. Elle sera beaucoup mieux dans son verre. Mais Michel, enfin, c'est complètement idiot. Nous avons quatre chambres. Oui, Laura a raison. Restez avec votre amie. Nous nous occupons de votre femme. Allez, mon cher. Voilà. Chargez. C'est bon, tu la tiens. Voilà. Mais ça finira donc jamais. Tu sais, moi, dès que le Turc a récupéré son pognon, je me tire. Je l'avais oublié celui-là. Tiens. Au fait, il est où le pognon? Je sais pas, dans une poche de ma veste. Et ta veste polaire? Mais Laura, tout est dans le corps. Ah, dis-le. Ben, je te le dis. Ben, oui. Alors ne vous inquiétez pas, elle dort comme un bébé. D'ailleurs, elle me rappelle ma tante, Virginie. Oh, la tante Virginie. C'est... Ah oui, qui se prenait de telles cuites qu'elle avait fini par voir des choses étranges. Alors elle, son truc, c'était de bavarder avec des personnages historiques. Nous, comme nous étions petits, ça nous faisait un peu peur. Hein. Un jour, j'ai surprise en train de crier « Cher Louis XVI, vous devriez conseiller à Marie-Antoinette qu'elle arrête de dire tout le temps en parlant du peuple, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Un jour, ça finira mal. » Ça doit être terrifiant de se trouver dans un état pareil, ça. Bah oui, on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. Jusqu'au jour où les autres, c'est du. Oui, bah on va peut-être parler d'autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Laura? Rien, Michel, tout va bien. Votre chambre est la première à gauche. Nadine et Bernard sont allés se coucher quand... Quant à Marc et moi, nous n'allons pas tarder à faire pareil. Et si Philippe veut boire quelque chose, faites comme chez vous. Il y a des liqueurs plein le bas. Alors, je vous remercie pour cette excellente soirée. Je ne tarderai pas non plus, voyez-vous. Oui, je rentrerai avec la voiture de Michel et je passerai les chercher demain matin. Parfait. C'est ça. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, bonne nuit. Hein. Bonne nuit. Ça y est. Ça y est, Philippe, j'ai compris, j'ai trouvé.
Je suis mort et je ne sais pas encore. Ça. On m'a envoyé en enfer et ce cauchemar-là va durer jusqu'à la nuit des temps. Il y a le retour du caïman maintenant. Allô? Allô? Ah, vous êtes devant le portail. Ah d'accord, oui. Quoi? Quel problème? Oui, bon écoutez, j'arrive. Le Turc est arrivé, mais s'il veut me voir car il dit qu'il y a un problème. Mais rends-lui cet argent et qu'on en finisse. Écoute, je vais quand même aller voir parce qu'il m'avait l'air un peu nerveux, vois-tu? Ne me dites pas qu'il est complètement bourré. Ah, lui pas bourré, lui mort. Sa mort. Oui, Michel. Hélas, c'est la vérité. Et c'est grave. Non, mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec ça, nous? Ça, être votre cadavre. Comment ça, mon cadavre? Oui, cadavre là, pas à nous, à vous. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Je comprends rien, moi. D'après Jardas, ce serait le type dont tu as le sang sur le pantalon. Ça va pas être à nous. Toi, t'occuper de ton cadavre. C'est normal. Je vais me réveiller. Moi, je sens que je vais me réveiller. Il faut reconnaître que la situation est terrifiante. Mais c'est pas possible, j'ai pas pu faire les choses pareilles. Si, monsieur. Moi, témoin. Pour avoir tout vu. Vous avez tout vu? Oui, tout. Moi, racontez si tu veux. Allez-y. Ça, être Vlado. Rabatteur, ramenez-vous dans le cadre. Nous voir arrivez-vous. Nous être contents. Grosse montre, gros bijoux, beau costume. Tout ça est trop beau pour poker. Et alors? Poker, notre travail. Vous comprendre. Travail, pas fait pour perdre l'argent, mais pour en gagner. Mais alors vous, hier soir, monsieur, avoir chance. Mais alors chance de... comment vous dites déjà? Monsieur Bon, je suis au courant, merci. Vous gagnez tout le temps. Vlado, lui, pourtant, beaucoup triché. Mais rien à faire. Vous, toujours meilleure carte. Et vous ramassez beaucoup de pognon. Bon, Vlado, lui, veut pas. Aime pas ça. Surtout quand vous, vers 4 heures, vous levez pour partir. Pour Vlado, question honneur. Alors vous, bousculez Vlado. Vous mettez gros coup de poing dans sa gueule. Mais Vlado lui fout, lui sort le couteau. Vous bourrez, vous tombez en avant. Vlado tombez aussi, lâchez couteau. Vous ramassez couteau. Vlado se relevez, venir faire vers vous et venir se planter sur le couteau. À ce moment, nous entendons l'ami à vous faire bagarre au-dessus avec Black. Nous se dire, avec tout ce bruit, police venir. Alors nous cacher le cadavre de Vlado. Vous partir avec pognon. Police venir, fouiller partout, mais pas trouver Vlado. Ce matin, propriétaire aromatique dire à nous, hop, débarrasser le cadavre de cap. Nous dire, cadavre pas à nous. Lui dire, rend le cadavre à ce propriétaire. Mais propriétaire, c'est vous. Alors donnez le pognon à moi, moi partir. C'est pas possible, Philippe. Allez, donne pognon, on va partir. Merci. Moi, pas compter, avoir confiance. Désolé pour Vlado, mais pas à nous. Bah, toi, fais un trou dans le jardin, c'est facile. Ah, si à soi, toi, vouloir venir jouer poker, toi, toujours bienvenu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police ou... Même si tu plaides la légitime défense, ta carrière politique, elle est foutue! Mais qui te dit que c'est toi qui l'as tué? Il y a quand même ce sang sur mon pantalon. Mais enfin, on a très bien pu te l'avoir mis après. Non, mais est-ce que tu te rends compte? Comme tu ne te rappelles de rien, on peut te mettre n'importe quoi sur le dos. T'as raison, mais on fait quoi, là? Il faut s'en débarrasser tout de suite. Oui, le Turc a raison. On a un jardin, il doit bien y avoir des pelles et des pierres. Philippe! Oui? Rassure-moi, ça. C'est pas moi qui l'ai tué, ce type. Bien sûr que non. Seulement, comment on n'arrivera pas à le prouver, tu risques d'en prendre pour au moins 20 ans. Coupable ou pas? T'as raison, on y va. Attends. Mais moi, je prends pas là, je prends pas là. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, c'est encore l'inspecteur Durand. Attends, tout de suite, c'est l'inspecteur des dunes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Respecteur, mais entrez. J'avais peur que tout le monde soit couché, mais j'ai vu de la lumière.
Le QG vient juste de m'appeler. La voiture de Zardas est, paraît-il, dans le coin. À mon avis, il essaie d'entrer en contact avec vous. Excusez-moi, monsieur. Je ne vous avais pas vu. Bonsoir. Vous pouvez lui parler, c'est un ami. De toute façon, on n'entend plus rien, Hunette. Décidément. Bon, alors, vous n'avez rien remarqué? Moi, non, rien du tout. Et toi, Michel, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Non, rien. Et votre ami, là? Et vous, monsieur, vous n'avez rien vu de suspect? Non, non, non. Vous savez, lui, ça fait 2 heures qu'il ne voit, qu'il n'entend plus rien, il est... Ah oui. Ah. Eh ben... Il est dans un état. On se demande même s'il respire. Il respire. Il n'arrête pas de respirer. Non. Non, monsieur l'inspecteur, mais vous vous rendez compte qu'il voulait prendre sa voiture. Hein, Pierrot, t'as pas honte de te mettre dans des états pareils, Pierrot? Vous devriez le toucher. Mais c'est justement ce qu'on allait faire quand c'est arrivé, monsieur l'inspecteur. C'est terrible, l'alcool. Moi, j'avais un vieux voisin. Il avait fini par voir des langoustes dans son lit. À propos d'alcool, est-ce que je vous sers quelque chose? Un jus de fruits, si vous voulez. Ah bien, ça tombe bien, je n'ai que de l'ananas. Voilà. Ah, je ne comprends pas. Hein? Il devrait être pourtant là. Et nous sommes en relation avec 18 satellites. C'est à 3 mètres près. Vous savez, il est peut-être dérivé votre GPS. C'est possible. Mais dans ce cas, c'est grave. Parce que ce type est très dangereux. Du moins, il faut les mettre à main de côté. Et avec votre ami directeur de cabinet, si je fais une gaffe, adieu ma carrière. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur l'inspecteur. Monsieur Sarpolo, c'est très bien que vous faites pour le mieux. Ah oui. Ah, c'est bon. Oui. Comment? Vers Paris. Vous l'aviez encore paumé. Une rupture de faisceau, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ah bon, les voies sur berge. Bon. Ah non, mon vieux, pour moi, ce soir, c'est terminé. Je rentre me coucher. Et lui aussi, sans doute. Vous avez entendu? Il s'éloigne d'ici. Il doit rentrer chez lui, dans le 20e. Je suis catastrophé. Oh non, mais non, monsieur l'inspecteur, ça vous n'y êtes pour rien. Une rupture de faisceau, c'est une rupture de faisceau, ça. Excusez-moi encore pour le dérangement. Bonsoir. Bonsoir. Je vous tiendrai au courant. Bon, on a plus une minute à perdre. Il faut le cacher derrière le bar, le temps de creuser le trou. Parce que si quelqu'un se lève et le trouve, alors là... Oh là, il est foutu. Stop. Oui. Philippe, oui. Ça met combien de temps pour refroidir un cadavre? Ça peut être très long, pourquoi? Il n'est pas complètement froid, tu trouves ça normal, toi? Non, mais il est bien raide, pourtant. Oui, ça, il est raide, mais il est tiède. Bon, pour l'instant, moi, je ne suis pas médecin légiste, je suis fossoyeur, hein? Non, je vais aller voir dans le jardin, trouver un angle mort pour que les voisins ne nous voient pas creuser, d'accord? D'accord. Écoutez, Talleyrand, débrouillez-vous comme vous voulez, mais il est hors de question que je retourne à Sainte-Hélène. Je ne supporte pas le climat, et les médecins m'ont dit que c'était très mauvais pour ma santé. Pourrions-nous négocier que je retourne sur l'île d'Elbe? J'étais bien là-bas. Ça y est, j'ai trouvé des cales. Et j'ai trouvé un endroit près d'un mur où nous ne serons vus de personne, je t'assure. Philippe, oui, ça y est. Je suis comme la tante Virginie, je les vois. Tu vois qui? Les personnages. Michel, je ne reste pas là. Il faut qu'on creuse, on finit le plus vite possible. Allez, donne à papa, Michel, donne. Tout va bien, il creuse. Moi, il commence à me faire peur. Il n'est plus tout jeune, je crains qu'il me fasse un malaise. Oui, moi, je suis assez d'accord. Et je pense qu'on devrait peut-être s'arrêter là. Mais qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie? Après tout, il s'agit de ton mari. Moi, je considère qu'on est allé trop loin maintenant pour s'arrêter. Et toi, quel est ton avis, Igor? Ah ben moi, je suis d'avis de continuer. Parce que c'est un excellent exercice d'improvisation. Jacques dans le rôle du Turc. J'ai failli exploser de rire. Alors, où en est-on? Je disais que dans le rôle de Zardas, tu étais sublime. Ah bah, le dernier changement de costume, c'était juste, j'ai failli rater mon entrée. Pour l'inspecteur, c'est terminé? Ah oui, pour Zardas aussi, c'est terminé. Oh, et vous avez vu Philippe? Pour un débutant, moi, je trouve qu'il s'en tire très bien. Dans l'ensemble, bah, je nous trouve assez beaux. Très bons, même. Parce que si nous étions mauvais, Michel s'en serait aperçu tout de suite. Et ça prouve que les ringards que nous sommes ont plus de talent qu'ils ne pensent. On est quand même...
Il me fait de la peine. Il a l'air tellement paniqué. Oui, eh bien, gardons notre compassion pour plus tard. Mais moi aussi, je trouve ça très cruel tout à coup. Cruel? Mais est-ce que tu t'es déjà demandé ce que moi j'ai vécu quand il disparaissait des nuits entières et qu'il rentrait ivre-mort, ne se rappelant plus où il avait laissé sa voiture, ni même avec qui il avait passé la nuit. Voir un homme qu'on a aimé brillant, ambitieux, avec un très grand avenir devant lui, commencer à se dégrader sous vos yeux, mais moi j'ai souffert, mais comme vous n'imaginez pas, je ne supportais plus de le voir sombrer alors. Alors l'idée m'est venue d'essayer de le dégoûter à jamais de l'alcool. Voilà pourquoi, avec votre aide, j'ai voulu lui donner cette leçon. Mais pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit douloureuse et dissuasive à jamais. Alors moi, par amour, je continue. On continue, Igor? Oui, on continue. Et puis quand il vous fait pitié et que vous risquez d'avoir une petite faiblesse de conscience, n'oubliez pas qu'il y a 3 jours encore, il me disait « Tu vas encore assassiner Molière avec tes ringards. » Ah, ça, c'est vrai. Quand on pense au succès qu'on a eu dans l'école des femmes... Et même qu'on a eu droit au journal de France 3. Il n'est jamais passé à la télévision, lui. Assassiner Molière. Ah, mais il va voir, hein? Bon, allez, on continue le programme tel qu'il est prévu. Okay. Ça lui apprendra à nous traiter de ringard. Attention, ils reviennent. Et c'est parti pour le grand final. Philippe, je t'avais dit... C'est que dans les films, on peut creuser une tombe en 3 minutes. Dans la vraie vie, on tombe toujours sur du rocher. Oui, du rocher. Du rocher, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, on va pas la creuser au marteau-piqueur, cette tombe. Attends, il faut le mettre dans le coffre de ta voiture et hop. Et hop. Et où ça, hop? Dans les fondations d'un immeuble en construction. Allez, j'en mets. J'arrive, quoi. Non, imagine que quelqu'un, Stéphanie, ait besoin de toi et que tu ne sois pas là. Tu as l'air malin, moi c'est moins grave. Tu vas faire ça tout seul. Oui, je recule la voiture jusqu'au bord du trou et hop. Alors ça, hein? Ça j'oublierai pas, Philippe. Merci, merci. Tu me remercieras plus tard qu'il faut y aller. Tu as raison. Oui. Je préfère 100 fois. Hein? De savoir dans le coffre de ma voiture plutôt que dans cette maison. Bon, maintenant, tu vas te coucher. Oui. Et moi, demain matin, je reviens vous chercher comme si de rien n'était. D'accord? Tu es un ami, Philippe. Merci. Être ou ne pas être? Voilà la question. Est-il plus noble pour une âme de souffrir les flèches et les coups d'une indigne fortune ou de prendre les armes contre une mer de troubles? Michel, pendant que j'y suis, là, j'avais une idée, là. Autant se débarrasser de ton pantalon taché de sang et de ta veste. Où sont-ils? Oui, Michel, ce pantalon, où est-il? Dans le coco. Dans le quoi? Dans le coco. Ah, dans le coffre! Oh, non, non, mais... Oui? Tu vois rien? Où ça? Au baba. Au baba? Non, pas rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je vois, Michel? Mais simplement que t'en penses. Michel, mais... Il faut pas me demander cet appareil, Michel. Tout va bien. Allez, va te coucher. Allez, à demain, Michel. Qui voudrait ce fardeau? Et gémir, et suer à longueur de vie, si la terreur de quelque chose après la mort, ce pays inconnu, dont nul voyageur n'a repassé la frontière, ne troublait notre dessein, nous faisant préférer les maux que nous avons à d'autres obscurs. Oui, être ou ne pas être, voilà la question. Et sans escorte, la mère de César veille seule à sa porte. Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré. Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. L'impatient Néron cesse de se contraindre, là de se faire aimer, il aime à se faire craindre. Britannicus le chêne, Albine,
Et chaque jour, je sens que je deviens importune. À mon tour. Où vais-je vous larder, dindon? À blanc sous votre maheutre, au cœur sous votre bleu cordon. Nicotitante, ding-dong, ma pointe, vole. Une mouche, décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez, plus blanc qu'un lidon, c'est pour me fournir le mot pleutre. Je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche, tiens bien la broche, faridon. N'oubliez pas, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Envoi, prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, je carte, je coupe, je sors, pardon, à la fin de l'envoi, je touche. La pièce que nous avons eu le plaisir de vous interpréter ce soir, pour une seule et unique fois, est de Stéphanie Serpollet. Stéphanie? Oh, il me semble que j'entends une voix qui m'appelle au secours. Dis-moi, Stéphanie? Oui, je comprends. Tu voudrais que je t'éclaire un peu sur ce qui vient de se passer. Rassure-toi, je vais tout t'expliquer. Figure-toi que mes camarades et moi, lassés d'être traités par toi plus bas que terre, avons décidé de te donner une leçon. Et tout ceci n'était qu'un coup monté. Oh non, vous. Oh mon Dieu. Oh non, mais je suis... Admiratif. Mais bien plus que ça, mais vous m'avez possédé, mais j'ai rien vu, rien. Vous devriez faire du théâtre. Mais c'est ce que nous faisons, Michel. Et les ringards te saluent bien. Mais quel cauchemar. Oh mon Dieu, quel cauchemar. Dites-moi, j'avais bu autant que ça hier soir. Ah non, trois fois rien. Non, c'est Philippe qui, au Harris Bar, a collé un somnifère dans votre scotch. Merci, Philippe. C'est noté, ça, d'accord? Non, mais c'est une bonne leçon pour moi, merci. C'est une bonne leçon. C'est juste dommage que j'ai pas pu voir ma tête parce que... Je dois avoir l'air ridicule, non? Mais rassure-toi, tu pourras te revoir. Comment ça? Eh bien, nous avons fait que pour une émission de télé. Nous avons mis des caméras partout. Là. Bon, ben... Eh ben, pour nous remettre de nos émotions, hein, on boit un petit coup. Oh non!